Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna. Vous savez, dans la période où tu es au bas, tu es au Benga Yango, Talmud, est un moment biblique où il y a une étude. Nous étudions les Écritures, nous étudions la parole de Dieu, mais notre thème, c'est disciples coûte que coûte. Disciples coûte que coûte. Merci, ma maman, vous en aligne, que le Seigneur vous bénisse. Thème de la Bible, Zali, disciples coûte que coûte. Disciples coûte que coûte. Je pense aujourd'hui, c'est les 18e série. 18e série de cet enseignement. Disciple coûte que coûte. Disciple coûte que coûte veut dire le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Yango, na lolenge mususu ya kolobela yango, to koloba yango. Disciple coûte que coûte. Disciple coûte que coûte, il y a le prix à payer pour être un disciple de Jésus. Parce que notre modèle, il y a qu'à copier, c'est Jésus. Je vous ai déjà parlé de cela. Comme je vous ai dit, ils ont un angle belé, mais tout ça, vous avez un mot, étape par étape, pour tout le monde qui est dans la Bible, que Jésus-Christ a koufaki. Mais Yesu a sekwa ki na Matthieu 28:19, Yesu a sekwi pour na koya ko pesa message pa ya ba disciple na ye ba kende ko sala mokili mobimba ba disciple na ye. C'est ça, comme je vous ai dit que au début c'était cette message qui était important, que Jésus après sa résurrection, Jésus avait dit à ses disciples d'aller Pepa sala mokili mobimba. Ba disciple na ye. Et le but, le Seigneur veut que nous devenions ses disciples. Toi comme tu es là, ta famille, ton mari, tes enfants, ta famille, frères, sœurs, que nous devenions des disciples de Jésus. C'est ça. Oye zali li kanisi posa ya mokondi na biso Yesu. Alobi bo kende, bo komisa mokili mobimba. Mokili mobimba ba ye koli na ye. Seigneur a lingi to komisa bato ba disciple na ye. Tolobi un disciple il est là. Son modèle ya moto ya ko copier son maître. C'est Jésus-Christ qui est notre maître. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Et nous sommes appelés à copier Jésus. Et ces derniers temps, je vous parle de la vie de Jésus. Nous enseignons, nous parlons sur la vie de Jésus. Et nous sommes appelés à copier Jésus. Je vous ai enseigné ma caractéristique à Jésus. Et nous sommes appelés à copier Jésus. Et nous sommes dans les livres, nous allons lire dans les livres de Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, nous allons commencer dans le verset 14. Tosa. Donc autant dans la Mokanda et à Jean, quand les gonios sont dans la ligne, que le Seigneur vous bénisse. Toza, namate, en abissant, tozo continue. Kakamate à Oyo, inspiration Oyo. Peut-être plus tard, nena lobi, tozi sango lelote, tozo continue en moto kene malembe malembe, pour te dire que thème ya koza la disciple, eza Yesu, eza thème moko ya monene, pour Yesu a dingi, batonio soba koma baye kolinae. Et toza pour parler maintenant, Lulenge Yesu wana azali. Tolomi tozan la livre et à Jean chapitre 13 verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître. Si donc c'est Jésus ici, c'est notre Seigneur Jésus. La ligne bato tozan la ligne, bisonyo so tozan la ligne, devoir na pesi biso, soki na pesi passage, toko magayango komi yango, otindelingango komi net na commentaire. Otindi, au commun à commentaire Otindi. Pour naibara que vous êtes là, vous olanda tout ça. Sommes en condition à kokoma, na kosenga vraiment tout ça la devoir wana.
quand je vous donne un passage biblique, comment yango et que zala malamu mingi. Tosa, dans Jean chapitre 13 verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, si donc moi Jésus, je vous ai lavé les pieds, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. J'ai aimé le verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous pratiquiez comme je vous ai fait. Osomona, Jésus a lobi awa. Vous savez, Jésus, un jour, Jésus a soit qui bassin à maï, a tchaki maï na bassin. Jésus a comme un kosukula ma kolo ya ma disciple naïe. Ma disciple, bazaki panique, ba du Seigneur. Yoko kosala yangote. Yoko kosala yangote. Bisonnet kosale paï na yo. Jésus a lobi na bango a dit si. Donc, ngai onaza maître na bino na sali yango. Si donc je vous ai lavé les pieds, le Seigneur et le Maître, vous aussi, bobengami pona ko sukula makolo ya les uns les autres. Mais j'ai aimé la suite na verset 15. Na verset 15, car je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Na sali yango pona pesa bino exemple po bino pe bo sala kaka lolenge ngai na sali ou bien lolenge ngai na sala ki. C'est-à-dire Jésus est là dans sa vie, ce que Jésus avait fait dans sa vie. Nous sommes ses disciples, celui qui est notre modèle, nous sommes là à copier, à lui copier. J'ai aimé seulement le verset 15. Je n'ai pas dans un attente pour expliquer lavage à ma colo hier soir à soukoula qui va discipliner ma colo. Dans un attente pour Naza, le lot Naza inspiré na yamote. Mais j'ai aimé seulement là où Jésus a dit. Et si vous avez sali un bon exemple, pour exemple, pour que vous avez un bon exemple, c'est-à-dire que dans la vie de Jésus, ce que Jésus faisait, c'est lui qui est notre modèle. Nous, nous sommes ses disciples. Il a dit, si moi je suis le Seigneur et le Maître, la personne qui est notre Seigneur, c'est Jésus. La personne qui est notre Maître, c'est Christ. Dans la Bible, à tant que chrétien, celui qui est notre Seigneur, celui qui est notre Maître, c'est Christ. Et si Jésus avait fait cela, Jésus a fait cela pour na copé sa biso exemple, pour biso peto sala lo lengeye a salaki. Et to songi na matière na biso, on a lobela ki dimanche passé, oyope na lobela ki dimanche passé, pe na lobela ki jeudi passé, je vous ai parlé na ba caractéristique ya Jésus, mais to bandaki ko parler Jésus aza moto oyo aza ki na miséricorde kati na ye, aza ki na compassion kati na ye. Yesu kati na ye ba parmi ba caractéristique na ye, aza ki moto bandaki ko yokela bato mawa. Aza ki moto bandaki ko yokela otolobi na bazako na Ancien Testament, je vous ai parlé la miséricorde dans l'Ancien Testament, c'était Dieu le Père qui était miséricorde. Et je vous ai donné des passages bibliques qui dit que Dieu, il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Et dans le Nouveau Testament, Jésus peut aux homonaïe, azan la caractéristique ouana. Jésus peut azan la caractéristique, azan dit que yoke la bato mawa. Moutoua yoke la bato mawa.
batu bazana ba problème, batu bazana ba passi, batu bazana maladi, batu bazana besoin azo sunga bango, moto wana koyoke na batu mawa, ya monde bazo ko benga miséricorde. Miséricorde, je vous ai dit miséricorde vient du mot latin misericordia, misericordia. Miséricordia. Yesu na biso asalaki koyoke la bato mawa. Je vous ai dit, regardez dans la Bible, si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez découvrir que Jésus, avant de faire quelques miracles, avant Yesu asala miracle, ou comme on a parlé, qui a yoke la émis de compassion. Émis de compassion. Ayoki nanou mawakati na ye. Et je vous ai déjà parlé de cela le dimanche passé. Je vous ai parlé le dimanche passé sur miséricorde et le jeudi passé. Miséricorde, na compassion, ezakaka synonyme. Quand on parle des synonymes, ezakaka, bazo komango différemment, mais ezakaka na signification moko. Miséricorde, ou bien miséricordieux, ou bien compatissant, ezakaka, bamo ezo symboliser likambo moko. Miséricorde, miséricordia, comme je vous ai dit en latin, Elikoloba, qui a le cœur sensible à la pitié. Moto azana motema oyo ali esik azana motema moko asimba mapaka pona koyokela bato mawa. Et ma caractéristique qu'on a toujours mon amour pa Yesu, l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse. Attitude oyakati ezotinda moto asunga bato bazana pasi bazana kolela bazana na pasi. Et c'est ça Jésus azala ki bongo autrui miséricorde eliki koloba compatissant eliki koloba pitié eliki koloba bonté aussi eliki koloba sous tendresse aussi et ozo mona yango kati na Jésus. Moto oyo azana facilité à quoi pardonner les autres. Où est-ce qu'on y a un secours à ma faible? Où est-ce qu'on y a un secours à bato bazana mawa? Bazana ba problème, c'est ça. Moto na ba ko bengaye Jésus, bazo bengaye aza miséricorde. Et parmi que Jésus Christ, nous sommes appelés à copier Jésus. Nous sommes appelés à copier Jésus. Un enfant de Dieu, il faut ba caractéristique où est-ce la carte na biso. Ba caractéristique où aussi Jésus notre maître. Si Jésus notre maître. Asalaki yango, asali yango pona ko pesa biso exemple. Poto kopye ye, poto landa ye, po ye aza modèle na biso. Jésus Christ c'est celui qui est notre modèle. C'est Jésus Christ qui est notre modèle. Et nous sommes appelés yako kopye ye. Na koyemba, na lingi na zala lokola Yesu. Na motema na lingi na zala lokola Yesu. Na koloba na lingi na zala lokola Yesu. Na motema na lingi na zala lokola moto mosusu te. Na koloba, na kotala, na komona. Parce que c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre Seigneur. Nous sommes ses disciples. Tout ça va disciple à Christ. Moi, je vous présente Jésus. Moi, je vous dis, la personne, c'est Christ. Il a dit, il a fait cela afin que. Et ça a l'exemple pour biso peto sala lo lenge ya sala. Si Jésus avait pitié des gens, si Jésus a mis de compassion pour des gens, nous aussi nous sommes appelés à les copier. Je vous ai donné un passage le dimanche passé dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, lo lenge ya za lo lenge pe biso toza na mokilio ce qui ya za ki koyoke la bato mawa. Biso peto benga mito yo ke la kabato mawa. Toza na motema ya bo mawa. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu et je vais maintenant vous donner des passages bibliques qui prouvent que Jésus, avant de faire quelques miracles, Jésus a mané koyo ke la bato mawa.
Je vous ai mis un passage où ils ont dit que Jésus avant ça la miracle. Dans le miracle, les gens sont sur Jésus. Au Roman, il y a des gens qui ont été en. Et ça parmi ma caractéristique, mais à Zaki n'est pas bon. À Zaki, moi, toi, il y a un peu de temps. Et ce sont mes disciples, tout copié, tout comme un peu de temps, il y a un peu de temps. Au moment où tu n'as pas, au moment où tu as mis, il y a un peu de temps. Et quand Jésus avait pitié des gens, Jésus faisait quelque chose. Attends, moi, il y a un peu de temps. Il faut aller à la solution. Aller à la solution. Matthieu 20, verset 29. Matthieu 20. Verset 29, quand je vous ai dit aujourd'hui, Nako parlait pendant 45 minutes pour la zappe dans la moude ou en athée. Il y a besoin de temps et belé, et je vais vous donner. Et ce qui tient est pour Samy, et je vais clôturer message Nanga. Tolobi, Matthieu 20, verset 29, 29, tout en 29, Palobi, lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici des aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criait: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais il criait plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela, il dit: que voulez-vous que je fasse? Que je vous fasse. Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Nous sommes dans Matthieu 20, verset 34. Nous sommes dans le verset 34. 34, Ndeza Likambo. Balobi, émis de compassion. Émis de compassion. J'ai aimé seulement là où la Bible nous dit: émis de compassion, Jésus toucha l'air aux yeux. Aussitôt, ils recouvrirent la vie et les suivirent. Tu vois, comme je vous ai dit, Jésus, avant de faire quelques miracles, Jésus a salaki koyoke la batoma. Et le dimanche passé, je vous ai donné, même pour la multiplication à map. La multiplication à map, tanga Jésus a salaki miracle et a multiplié map à deux fois. Mais au moment où il a émis de compassion, émis de compassion, mais ici Balobi Awa, émis de compassion à Yokimawa. Jésus a son côté dans la ville à Jéricho. Jésus a son côté dans la ville à Jéricho. Balobi, Batomi Balé, Bavegle mi Balé. Bavegle mi Balé, Bakobi Koganga, fils de David, Yokela Bisomawa, Yokela Bisomawa. Yokela, oh Yesu, Yokela Bisomawa. Moutonio Sazana li, loba trois fois, oh Yesu, Yokela Bisomawa. Anili, everybody, you can say that three times, oh Yesu, Yokela Bisomawa. Yesu, Yokela Bisomawa. Yesu, Yokela Serge Mawa. Yesu, Yokela Serge Mawa. Yesu, Yokela Serge Mawa. Po ye Yesu, eza lo lenge na ye. Azara kane bongo. Aza mote magoyo ke la batu mawa. Il est notre Seigneur, il est cordier, il est compatissant. Les deux aveugles, quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à crier: fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de nous, fils de David. Il y avait beaucoup de gens qui étaient tout autour. Et les gens venaient pour étouffer bango. Mais les gens, ils ont commencé à crier parce que bah yebi keye ayo ke la kabato mawa. Salam moto zoyo ke la bato mawa. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Un enfant de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Regardez si les deux aveugles, ils ont compris que Jésus a dit moto koyo ke la bato mawa. Et ils ont commencé à crier. Fait de fin. Motokoyo ke la bato mawa. Ayo ke la ki bango pe mawa. D'où? Koza la moto zoyo ke la bato mawa. Eza faiblesse. Mais ça va caractéristique ya nzambe. Ce sont des caractéristiques de Dieu. Ce sont des caractéristiques de Dieu. Je vous ai dit, ce sont des caractéristiques de Dieu le Père. Ce que nous avons parlé, nous avons dit, je peux même, peut-être un mois, mon
Mubimba, Nazote Akaka, Dieu il est le Dieu miséricorde, Dieu il est le Dieu compatissant. Pour l'Ancien Testament, passage est belé, où ils ont confirmé que Dieu il est le Dieu de miséricorde. Je vous ai dit que Tamuzamba Bandaki Kobima, l'Ancien Testament, regardez, Tamuzamba Bandaki Kobima, même Nathan Moïse, au Romona, Batubazo Fukama, Bazo Bati est le Dieu miséricorde, si le Dieu compatissant. Zambe lolenge na izaba caractéristique nae azabongo. Et si nous nous sommes ses enfants et si nous nous sommes des disciples de Jésus, il faut tous en avoir caractéristique wana kati na biso. Faut tous en avoir bato yo toyo ke la bato mawa. Faut tous en avoir bato tous en motema ya mawa. Ya ko yo ke la bato mawa. Ce que vous avez caractéristique wana na kati na bina yo faut singa ngoza na ngopo Yesu azaki bongo. Pour lui qui a ça qui paye en haut pour la bisoto tirer les sons. Et la Bible nous dit les deux aveugles quand ils ont commencé à crier. Mais dans le biawa, côté un passage yo, j'ai pu aussi donner aussi quelques vérités qui se trouvent là. Ce que toqué, tout ça dans Matthieu 20. Dans Matthieu 20, dans verset 29, Balobi. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. Une grande foule qui suivait Jésus. Jésus, là où Jésus partait, quand Jésus marchait, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout autour de lui. Des aveugles, assis au bord du chemin, entendirent Jésus. Attendaient de Jésus passer. Il criait, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour le faire taire. Mais il y criait plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Dans le verset, j'ai aimé le verset 32. Jésus s'arrêta. Regardez, vérité open alina loba awa. La persévérance aussi paye. Regardez les désavés. Ils étaient aveugles, je ne sais pas, peut-être ils sont nés aveugles, les deux aveugles. Dans la ville à Jéricho, Batoubaye baga on aveugle, ba mon a raté, ba mon a déni, ba mon a raté, ba mon a clarté, ba mon a clarté pour na ba vie na bango, ba mon a clarté pour na mabala na bango, ba mon a clarté pour na destinée na bango, ba mon a clarté pour na bana na bango, ba mon a clarté. Vous savez, au moment à Jésus souvent Jésus appelait les gens au Bazali comme on a Jésus les appelait aussi des pharisiens, des aveugles. Bato bazo mona physiquement, mais Jésus les appelait les aveugles. Et ça peut bato appeler toi na misu boy, mais spirituellement nous sommes des aveugles. Ozo mona te. Ozo mona te. Ozo mona te fin avec soukaneri. Et vous au fond ozo mi tout na ba question anza. Libota nangé que za ndenge ni. Foué n'a rien que ça l'a dégainé. Vie n'a rien que ça l'a dégainé. On a zo mon a clarté. Ozo mon a clarté vie na yo. Ozo mon a clarté libota na yo. Ozo mon a clarté banzela na yo. Ozo mon a clarté. Tout zo mitou na ba question zam. Ozo na mis sous physique. Mozo mon a dé. Et souvent nous sommes aussi des aveux. Souvent quand ozo mon a clarté. Na vie na yo. Ozo mon a clarté. Na bon moi. Ozo mon a clarté. Na santé, nous avons la clarté. Na libota, nous avons la clarté. Na affaire, nous avons la clarté. Ma, nous avons la clarté. Et ces gens, ils étaient des aveugles. Mais regardez, ils ont écouté que Jésus passait. Ils ont entendu la foi. Ils étaient des aveugles. Mais, bazala ki ka koyoka. Bazo monate, mais bazo yoka. Na peut-être, nazo monate. Mais nazo yoka, yo peut-être ça na makambu boko boye. Ti lelo ezo tungisa yo, ozo lingo mona clair na vie na yo, na bomoi na yo, na makambu wana ezo tungisa yo, ozo lingo yeba clair, o mona clair, nzamba sunga yo. Mais ce qui est très important, les deux aveugles, ils ont entendu Jésus. Ils ont entendu Jésus. Ils ont entendu la parole. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils ont entendu Jésus. Ils ont écouté Jésus. Que Jésus passait. Quand ils ont compris que c'était Jésus qui passait, ils ont commencé à crier.
leurs prières et leur plutôt leurs cris et ça image à ma prière. Leur cri devant Dieu et ça le voilà bazo prier. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous. Ils ont commencé à crier. Bambi Jésus à l'équipe en haut. Leur persévérance a payé. La persévérance aussi dans la vie chrétienne paye aussi. Batebele, aïe panza malikaka, lelo, lelo, non? Ogoko yape lelo, lelo, gloire à Dieu. Mais ils n'aiment pas beaucoup. Alors ça, Nzambe, pas na écoute de terre à la rater. Il y a sa maître à taper circonstance. Il y a sa maître à ton circonstance. Pas na héritage à la rater. Souvent, dans le Bangabiso, pas na héritage à la rater. Bon, la fête à Kana. Ton maman a le bique fait ici. Il y a sa vie, tant la maman a me coquité. Mais tant le volet coca qui cacate. Mais à ça, qui a quelque chose. Pour sa maître à ton circonstance. Nakoufa Lazare, aïe na retard, Martha Nobi, na Mariba du Seigneur, si tu étais ici, Lazare n'a pas koufade, mais il est là. Pour la maman, il y a un retard, il y a un maître et un ton, mais circonstance. Oui, bah, moi, je suis en retard, mais il y a quelque chose. Vous savez, Namoutou a été possédé dans la légion. Tant que je suis venu avant le temps, tu es venu avant le temps. Bien sûr, Jésus est venu avant le temps. Mais à Mutuana, n'a pas problème était, il a délivré cet homme qui était possédé des légions. D'où le Seigneur, notre Seigneur, il est le maître de temps et des circonstances. Pas naïe retard et à la rater. Pas naïe avant et à la rater. A quoi comme on a retard, mais souvent bien mon sa gloire, naïa comme mon sa gloire. Tant naïe copé cocoté, mais souvent bien mon sa gloire, naïa comme mon sa gloire, naïe. A quoi peut qu'on avant, mais souvent bien mon sa gloire, naïe. A quoi mon sa gloire, naïe. Devant notre Seigneur, l'imitation y a taille et zalakate. Mais regardez la persévérance. Moi, j'ai compris, c'est des aveugles, bazara qui n'a persévérance. Bazo ganga, na vie chrétienne, il faut aussi persévérer. Regardez quand ils ont commencé à crier, balobi, batubaye, balobi na mamba fanda. Regardez les gens, souvent, tango telemio lukanzam, tango telemio banogosambe, tango telemio kotanazara losam, tango telemio banogo respecter la parole de Dieu, et que tellement il y aura, batumosu bako telma pour pas empêcher yo. Moi, Satan est dans ça là. Batoyo, baoumeli, c'était des aveugles reconnus, na Jéricho, pendant des années. Mais tant qu'ils ont compris que Jésus-Christ n'est pas beaucoup big sabango, batelemi baso belé là, batelemi na losambo baso lé là, et ça n'a bato batelemi pour pas empêcher bango. Maman, papa, tant que yo telemi au kanza, tant que telemi bando au kanza, mais la va prier, tant que telemi bando au salé l'anzam, tant que telemi kenzambe, au mot na clair, na vie na yo, na magamozo tungisa yo, na foye na yo, magamozo tungisa libota na yo, et ça n'a pas, ça n'a bato moussousou. Oh, bah, voyez, pour ma balle, mis ça, yo. Regardez, bananio, yo. Batelema qui pour m'empêcher. C'était des gens qui étaient tout autour de Jésus. C'est-à-dire, même quand on a vu chrétien, non, yo. Et que ça n'a pas tout, moussou, bah, côté, mais là, pour m'empêcher, yo. Oh, avancer, t'es. D'où la persévérance de ces hommes. Leur persévérance a payé. Leur persévérance est foutue, bah, mot. La persévérance. Souvent ils appellent ma gamoussou, oui, il a gagné son avis pour empêcher yo ou avancer dans la vie chrétienne, ou stopper, ou abandonner. Regardez ces gens. Ceux qui ont un débit, wana, balemba qui n'a pas mot. Ceux qui ont un débit, balemba qui, balinga qui bamou la gloire n'a jamais été. Mais ils ont commencé à persévérer, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à avancer. Bien sûr, ils ont un obstacle à bateau. Mais bah les maquités. Et ça, la votre moussou, c'est aujourd'hui mon aké. Nazan habitumba na famille. Nazan habitumba na libota. Nazan mon aclair était na vie nanga. Nazan mon aclair était na foyer nanga. Faut l'oukanzambe. Tant au terme, bah nous l'oukanzambe. Et ça, la votre moussou, bah voyez, pour empêcher. Yoso kenewa. Yoso sa. Ah, c'est le église, wana. Bah pasteur wana. Bah passe titan wana. Ça dit, et ça, la votre moussou, bah côté, ma pomba. Bah vous allez voir, là, bah obstacle. Mais au fur et à mesure, batouba télémaki, poba pekisa bango, et tindaki bango lissousou, ba continuer ko ganga.
koganga na bango na lobi eza ba prière koganga na bango eza image ba prière bato bazali na esprit ya détermination bato bazali ke makambo pour la vie na bango fait changer et le seul personne qui était capable de changer leur situation c'était Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 13, 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui est capable, peut-être dans le Makambozo le Kanabo na vie. C'est celui qui est capable de changer ma circonstance, de changer ma situation, où ils ont passé dans mon avis. D'où il faut la persévérance. La persévérance de ces hommes à payer. Je retangue dans ma version Moussousou. L'évangile Moussousou remonte en quai. Quand on va parler les deux aveugles, au moment de l'évangile Moussousou, Balobi, Batangi Kombo ya Bartimé, le fils de Timé, Batangi, ah Batangi Kombo ya Kombo la Bamote Babika, c'était les deux aveugles. Mais ceux qui ont l'évangile Moussousou, au moment de parler Balobi, parler de Bartimé, mentionner Kombo ya Bartimé, le fils de Timé. Et Balobi Bartimé, tant maman dit Jésus à côté de la ville de Bamo, il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Batoubaye Kopé qui saye. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Persévérance naye. Et tindaki ke, Jésus s'arrêta. Nenge a on attendait, balobi ke, Jésus s'arrêta. L'appela. Yé soit télémisikoyo. Abiba bengaye. Et na histoire à Bartimé. Quand Jésus les avait appelés, la Bible nous dit Bartimé, Azaki n'a manteau. Il a pris son manteau et il a jeté son manteau. Parce que Bartimé, Azaki moto, Azaki n'a kofanda mingi na banzela. Et nanzela, natamu ya hiver. Natamu ya hiver, manteau na ye, et balé pour protéger ye. Na ba tempête, tout ça, na ba tourbillon, malili, et manteau ane oumelaki. Azaki avec. Mais quand Jésus l'avait appelé, Aligatele, ma manteau est comme un obstacle. Manteau est comme un obstacle. Pour manteau, Alataka, manteau est oumé là. Je ne sais pas combien des années, où Bartimé, Alata, manteau est en train de se faire. Et quand Jésus les avait appelés, Bartimé, la première chose que Bartimé a fait, il a pris son manteau, il a jeté le manteau. Bartimé a dit que Apona Akima a quitté le média Yesu. Mantoua les eaux kangaï, puis il y a qui a kilo. Mantoua les eaux pour empêcher, puis il y a un hôtel, Moko Yamabe, Basukula Yamote. Et la seule chose que Bartimé a fait, il a pris le manteau, il a jeté le manteau. Pour Bartimé, Mantoua est qui le col à obstacle. Et souvent aussi dans ma vie, Nabiso, quand nous approchons dans la prière, devant le Seigneur, ils ont un manteau moussous, il faut te boire. Ils ont un manteau moussous, il faut te boire. Et le manteau de Bartimé, ils ont un manteau mogo, ou ils ont un odeur à ma belle. Manteau mogo, ou ils ont évité la crâne, ils ont un manteau, ou moutala taka, manteau pendant des années. Na katiwana, ils ont un babilo konini, na katiwana. Et Bartimé a dit que non, pour s'en aller devant le Seigneur, na manteau ou est manoko empêché yé. Il a pris le manteau, il a jeté le manteau. Et là, ils ont un comportement, nous sommes sur la vie, ils ont un manteau. Oh, il y a parti, mais il faut qu'on boit quand même. Si nous voulons s'approcher auprès du Seigneur, il faut que l'on ait un caractère, ils ont un comportement, ils ont un bizarre, ils ont un manteau. Il faut qu'on ait un manteau, il a parti, mais il faut qu'on boit quand même. Pour ce qu'on boit, ils ont un péché, nous sommes sur la manteau, il a parti, mais il faut qu'on boit quand même. Parce que ça, il y avait que Kangayo, vous savez, Esaïe, dans le livre d'Esaïe, Esaïe, c'est non neuf. Si vous commencez dans les premiers versets, la Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille, car ce sont vos péchés qui mènent la séparation. Vos péchés qui vous séparent. Et Bartimé a compris que cette manteau-là est pour empêcher à s'approcher au Seigneur. Et il a jeté le manteau. Et ça va caractériser Moussous, Moussous et Mabé. Et ça va être un manteau à Bartimé. Il faut qu'on boive Kayango. Qu'on boive Kayango. Quand on est dans la ligne, il faut qu'on boive Kayango. Comment? Bon, comme il y a, il faut qu'on boive Kayango. Et ça va être un comportement Moussous. Et ça va penser Moussous négatif. Il faut qu'on boive Kayango. Et ça va pécher Moussous. Il faut qu'on boive Kayango.
Et ça, le rôle de manteau est Bartimée. Il y a un des obés bisayo. Il y a un des obés sa mauvaise odeur. Il faut qu'on boit quand il y a un mot. Au comme un pépélé. Pépélé, pépélé, oh pépélé. Pépélé, na yesué, pépélé. Nana bala yesu. Nako pesa ye mikumba. Nanga nyonso. Ponatikala pépélé. Pépélé. Thank you. Tobi awa. Batime pour nous pousser devant Jésus. A mon avis que manteau na yeso ko empêché. Et à soi qui manteau à boakaki. Et awa tozongi na passage au Tobi et Tobi awa les deux aveugles. Tant ils ont commencé à crier persévérance na bango. Dans la vie chrétienne, persévérance pèse important. Il faut qu'on persévère. Regardez Batime azo bato mazo ganga. Tant mazo ganga Jésus a l'équipe na yeso. Elle vous enseigne par la salle rassemblée. Ils ont béni là, ils ont loué. Mais le Seigneur a dit, attends, est-ce que tout ça la persévérance qu'a tenu Abisou? Est-ce que Serge a continué? Est-ce que Serge a persévéré? Et il y a que tant que ils ont continué, qu'on gagne, qu'on loue quand même. Il y a pas qu'à payer. Ils en ont battu nos sous. Bakoya, pour pas empêcher. Nana lobaka. Souvent à lobaka, naïb ça Abisou na lobi hein. Satan y est biqué. Serge, son ami a loué Serge dans ma boîte de nuit dans Ozoaïté. Son ami Serge a loué peut-être dans ma camoumoussou. Ou peut-être, je suis en train de me faire embêter. A comment on a kounaté? A Hébike, laissez le lieu pour a trouver Serge. C'est l'église. Laissez le lieu où il a trouvé Serge dans le milieu de la banane. Laissez le lieu à Koutanana Serge. A mon Serge. C'est dans les milliers où les alliés à Banana Zambedou, les diables, la royale pour Bumbisa, ils sont dans les milliers où yo. A dit que ce soit bien, nous connaissons ma maman Sotikam. A nous connaissons ma maman Sousa Rosoyote. A dit bien, si ma cambo yo lingaka, souvent royale pour Bumbisa, ma cambo yo lingaka. Souvent, c'est le fait d'Aka. Na histoire, il y a Iri. A dit Iri, Iri Oyo. Moi, si naïe, Babotakana David. Vous connaissez l'histoire de Iri. Bah oui, que David, quand il avait compris que moi, si je comme il a zemi, David a béni ce qu'on parle, il a dit, oh, il y a un militaire. Dans la période où Israël a été bitumba. David a compris que non, moi, si je comme il a zemi, David a béni ce qu'on parle, il a dit, amenez ce qu'on parle, il est massanga. A son qui s'en parle, il a dit, le roi, il a dit, il y a un militaire, il y a un combattant. Mobali a kenda ki nanda kouté. Mobali a kenda kouté. Ben comme ça, David a kenda kouté. A sa kaka a camp militaire. David a sa ki no lenge belé. Pour a zongi sa mobali nanda. Quoi que le gozan a moua si na ye. Mais mobali wana le gola za ki combattant. A ti kala ki kama na camp militaire. Tant David a tout ni a lobi. Ah, nana kende nanda. Israël, basan bitumba nga ke nanda na fana na mwasi nga na bana te ngai na kozala awa na ka. David a compris que non lokola za combattant il faut siko na bundisa ye na makambo ye alingaka na makambo ye pensée na ye volonté na ye mécanisme na ye énergie na ye za ezaki ni lokola za ki combattant azaki militaire batini ye siko na bitumba wana David a libotinde na bitumba. Boche ni boso, tant que vous attaquez, vous allez parmi les bateaux, vous allez et au moment où vous avez un piège, sur David a tiré qui est, mais tant que vous avez un piège dans Babiloko, c'est alors que vous avez un piège, vous avez un piège, Satan est venu, otika ma boîte, otika ma ambiance, otika ma. Mais ayemi ke olingi ma kamwanza, akoya ko bundiso siko na ma kamwanza. Ayemi ke yo ke na l'église, akoya ko bundiso na kat église wana. Ayemi ke yo sangana na bana na nzamba, akoya ko bundiso na makambo yo lingaka. Na makambi tumba na yo siko e komi na makambo yo linga. Bawo bakoya ko dekurayo okuta bango na makambo yo linga. E babi ke tango akufaka, bakufaka ba de pelé. On te dit que ye loko. Iri a zangaka discernement. Soka zangaka discernement. A compris que, ah, n'est-ce que David? A zopé sa ma cadeau, n'est-ce que le roi?
Zala na discernement. Et les deux aveugles, quand ils ont commencé à prier, à crier, leur persévérance, la Bible nous dit, Jésus s'arrêta et Jésus les appela. Et quand ils sont devant Jésus, Jésus les avait demandé. Bon, il y a ça, la Bible nous dit. Oui, mon père, ma gamme, ça va y bien aller. Mais regardez les deux avec Balobi Balingi Bamona. Bamona clair. Bamona clair na vina. Bamona clair na destinée. Et la Bible nous dit Jésus a eu compassion. Je vous ai dit que dans le verset 34, hein, Matthieu 20, 34, émis de compassion. Jésus a dit, et ça dit ma caractéristique, et ça dit ma caractère naïe, a ça dit moto mané koyoke la bateau mawa, émis de compassion, les avait touchés. Et Balobinini, Bamonaki, Tamou Bamoni, aïe, les deux avec les Tamou Bamoni, Basalénini, ils ont suivi Jésus. Maman, papa, quand le Seigneur les avait bénis, et l'autre maman, et quand ils ont vu, Bazongi na vie passée na bangote, ils ont suivi Jésus. Ma sœur, mon frère, quand le Seigneur a sali quelque chose de bon dans ta vie, et si le Seigneur te répond, na demande na yo, bit ya Seigneur ezake, boyo landaye, non pas yo zonga lisu na mabe, non pas yo zonga susu na beren, non pas yo zonga susu na babetus, non pas yo zonga lisusu. Non, le Seigneur, quand le Seigneur te délivre, quand le Seigneur te donne,
il te répond. Le but est que yolandaye. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Un disciple, azolanda son Seigneur et regarder les désaveugles. Quand ils ont vu, quand ils ont saisi l'air de délivrance, ils ont suivi Jésus. Tolanda Yesu, tant que Yesu a sali le mot de bon dans ta vie, kangamanae, lukae, salelae, salelae, kangamanae, ils ont suivi Jésus. Vous savez, les dix lépreux, dans la histoire, les dix lépreux, et Jésus, quand les avait guéris, les dix lépreux, alors, il n'y a pas que nous repèrent sa offrande dans le bango, le rôle de Moïse à l'obaka, pas ma sacrificateur. Bakei, les dix lépreux, moko kaka moutazoba. Un étranger de moutazo qui peut envoyer au Seigneur sous merci. Les autres là, quand ils ont réussi leur délivrance, bakenda, bazonga na ma vie passée na bango, bazonga na ma kamouna bango, bazonga, ba ignorer Jésus. Yesu alingi tous à la reconnaissant na ye. Le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants. Quand le Seigneur a salé le mot na vie, na yo kangama na yeko, kangama na ye, yo yino ka pa Yesu, to baga Yesu azala lokola, na lobaga azala lokola, krik, ou bien Yesu akuma lokola, bestation e bakwado, balubaga bakwado, soni pine ya voiture et tobo, pine ya voiture et tobo, ki ne wolu ka kwado, tango kwada bongisi yo voiture, pine ya voiture na yo, oza sou na pezwe na yete. Nzamba koma kwado to lukaka eka po a pesa biso aya no la biso après tamo wole lokozo luka wasu na besoin nzambe te et lokozo luka nzamba répondre osa suna besoin la yete. Regardez les lits de les dix lépreux, neuf mbimba bakenda moko kam tazonga ayo ko fuka manase makola Yesu ataka reconnaissant. Et regardez les deux aveugles, après avoir été délivrés, tamba moni, ils ont suivi Jésus. C'est ça le but, suivre Christ. Suivre Christ. Tola na Yesu. Aïe, 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 aïe. The word of God is powerful. Toke, na Marc chapitre, nous allons côté la sous passage Moussousou. C'est ça, nous avons parlé Yesu, Jésus, ma caractéristique à Jésus. Jésus a dit que c'est ça. Mais nous avons pensé sur quelques mots de vérité. Nous avons histoire. Moi je pense, je vais m'arrêter ici. Peut-être que Marc 9. Si vous êtes en ligne, vous m'amène. Si vous êtes en ligne, vous m'amène. Par maman langa. Vous en allez là-bas, c'est un petit passage beaucoup maca pour n'importe qui vous êtes là. Marc chapitre 9 verset 20, Balobi. On lui amena aussitôt un enfant. On lui amena aussitôt que l'enfant vit Jésus. Hein? L'esprit agité avec violence, il tomba par terre, il se roula. Babi, ah ouais, bah même lié sous moi la mokoboye. Moi, là, il y a un esprit épilepsie. L'enfant qui était en lui, c'était un esprit d'épilepsie qui était. Et l'esprit de tourmenter l'enfant depuis sa naissance, depuis son enfance. Et la Bible nous dit, t'as pas mis moi devant Jésus. Moi, là, a commis agité à quoi? Yesu, dans verset 21. Jésus demanda au Père, combien en est-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, on me dit, ah, depuis son enfance, je ne sais pas. Moi, je suis en âge, ni en moment. Peut-être que le rôle de Azaraki n'a 17 ans. Peut-être depuis son enfance. Depuis, tant que en âge, peut-être il y a 2 ans. Peut-être na âge il y a 9 mois ma manifestation oyo ezalaki kosala na bomo ya mwana oyo jusqu'à l'âge de 17 ans. Combien des années depuis son enfance, répondit-il dans verset 22. Et souvent l'esprit la jette dans les feux et dans l'eau pour les faire périr.
tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aie compassion. Aie compassion. Là-bas, les deux aveugles ont commencé à crier. Aie pitié. N'oublie pas, miséricorde veut dire encore pitié. Miséricorde veut dire pitié. Et maintenant, le père de l'enfant ici, il a dit à Jésus, aie compassion de nous. Dans le verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit miwe et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant. L'enfant a la guine esprit, a la guine baba, a la guine koyokate, a la guine kolobate. Et malobipe, a la guine esprit épilepsie katinae, a zo monate, a zo yokate, a zo lobapete, pena épilepsie katinae. Osomona, mais Jésus tango, papa à moi, nalobi, aie pitié de nous, aie compassion. D'où il faut te senga kaba caractéristique au katina biso. Il faut te senga kaba caractéristique au eza la katina biso. Tomoni a balbina biso. Balbina verset 25. Voyant accourir la foule menaçant l'esprit impur et lui dit, esprit miwe sourd, je t'ordonne de sors de cet enfant. Dans verset 26, Malobi, ils sortirent en poussant des cris. Autrement, esprit oyoyozaki fandaki depuis des années. Mais Jésus, comme le père de l'enfant, a crié. Le père de l'enfant, souvent passage, on appelle Sakayango. Pour la parents ont besoin de bana. Boye ba que ba foi ya bana na bino et ça attaché na ba foi na bino. Ba foi ya bana na bino kondima ya bana na yo et ça attaché na kondima na yo. Au fur et à mesure, yo zo approfondir ta relation avec le Seigneur et zo za ni pamboli pour na bana na yo. Parce que ah papa oyo moi na mtazaki malade. Mais papa, tu as besoin de la joie que ça y est, Yesu yoke là. Alors, il y a un verset 22, na soukawala, il dit, viens à notre secours, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ami, aie pitié de nous. Tant que Yesu est ici, na verset 24, tout est possible à celui qui croit. Papa, na verset 24, lui aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Il a dit, je crois à lui, mais c'était la délivrance de son fils. La délivrance de son fils, mais le père qui prenait la place de son fils. Il a dit dans le verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'était, il parlait de lui, mais la délivrance était pour son fils. D'où, maman, papa, à travers tes prières, et qu'on a une bénédiction aussi pour tes enfants. Parce que si l'enfant était délivré à cause de la prière de son père, c'est-à-dire à travers tes prières, Dieu aussi peut aussi délivrer, protéger ta famille, tes enfants. Parce que l'enfant, il était protégé à travers la prière de son papa. Parce que le père, quand le père parlait à Jésus, il a dit, Seigneur, reviens au secours de son incrédulité. Mais le père a cherché la délivrance de son fils. Au second, on a papa, oh, azo luka délivrance à moi, nanaye. Azo nanaye, soit sungaye. Mais, koulukanaye zambe, ezaki délivrance pour moi, nanaye. Mais tout le monde dit, awa, le père, azo psaye sou, azanana mawanaye. Seigneur, il a dit, viens à notre secours. Et compassion de nous, yoke la biso mawa. Yeso azaki moto ande koyoke la batu mawa. C'est comme caractéristique où ils ont la carte de biso. Et l'enfant, Azaki qui délivré, ma bengana qui esprit wana ma bé, esprit wana ma bé, ils ont qui carte na moi ne kenda qui et bima qui kenda. N'appelle ça Marc. Marc chapitre 1 verset 40. De tani na Marc. Ma passage musu su j'ai na roté à moi peut-être jeudi. Na roté à moi jeudi. Un lépreux vint à lui
Il se jeta à genoux. Il lui dit, un lépreux, viens à lui. Il se jeta à genoux. Un lépreux, aïe à fou, Kabil. Il a demandé si Jésus le pouvait le purifier. Et dans verset 41, Jésus émit des compassions. Jésus émit des compassions, tu vois. Jésus a dit, mon toi, c'est Koyo qui l'a batoma. Babi, ce qui est mané Koyo qui l'a batoma, bisopé, tout copié. Tout ça, nous l'ingéye pas mané Kosal. Bisopé, tout ça, bateau, Toyo qui l'a batoma. Quand Jésus a dit Jésus donnait la solution. Au moment de la solution, Jésus donnait, c'était des solutions spirituelles. Et ma solution, c'était des solutions physiques. Tant que Jésus a dit si ma batoubalié, voilà tout le monde à Jésus, il a besoin de colia. Colia besoin physique. Jésus a donné la solution. Et Bartimée qui était avec, les aveugles. Jésus a mis ici Bango. Et l'enfant maintenant qui était possédé dans l'esprit Oyo, il a miwe na sourd. Mais Jésus les avait délivrés. C'était toujours le bas. Parce que c'était mauvais esprit. Et cet mauvais esprit tombe à Bimi. Toujours le problème spirituel. Jésus a donné la solution au problème spirituel. Ma problème physique, Jésus donnait des solutions. Même dans ma problème spirituel, Jésus donnait aussi des solutions. Et tel qu'il est, tel que nous sommes. Souvent, nous n'avons pas beaucoup de chien. Bah, tout bas, on a un problème spirituel. Oh, bah, on a aide na yo. Bah, tout bas, on a un problème physique. Oh, bah, on a aide na yo. Tout ça là-bas, tout ce qui est simbami. Tout ça là, l'olenge Yesu. Azalagi Kosala. Tout ça là, l'olenge Yesu. Azalagi Kosala. Marc 1, verset 41. Jésus émit de compassion. Et étendit la main, le toucha. Il dit, je le veux, sois pire. Aussitôt la lèpre la quitta. Il fut purifié. Vous savez, cet homme lépreux. Cet homme qui était lépreux. Basara qui abandonné, rejeté. Regardez Jésus, son ministère. Jésus a eu un ministère à Kobe. Même les gens rejetés, Jésus a eu un bateau, il a rejeté. Parce que les lèpres, si quelqu'un a un malade à lèpres, il a eu un libanda à Mboka, libanda à ville, il a eu un séparé dans la famille, il a eu un séparé dans la société, il a eu un séparé, il a eu un écart. Si vous avez un sunga, il faut un sunga, il faut un sunga, il faut y avoir un musique, il faut un sunga, kimi. Mais Jésus a eu pour la bateau, voilà. Comme ça, il y a des gens qui il soit aïe, batou bada rejeté. Il soit aïe, batouana. A ce monde, il y a un batouana. A ce pays, ça réconfort. Il y a un bazar abandonné. Batou bazar délaissé. Bazar rejeté. Na société. Abandonné. Na société. Regardez, ministère à Jésus. Parce qu'en lui, il avait cette caractéristique. Il y a un yoke la kabato mawa. Tout ça, la caractéristique. Jésus a wa tomoni awa. Bato bazaki rejeté. Ayambi bango. Abikisi bango. Apetoli bango. Dans verset 43, Jésus les renvoya sur le champ avec cette sévère recommandation. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et ouvre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela laisse des témoignages. Mais cet homme, Sanala, s'est mis à publier publiquement la chose. Aux hommes, Yesu tanga lobi na e a kene kope sa. Bah, les prêts, bon, merci beaucoup, Balbi. C'était les 10 les prêts. Ça dit les prêts. Bon, les ça y va, miracle, les hauts, bébé. Mais pour moi, Ava Yesu, aïe, bissiye. Dans verset 43, Jésus, copé ça avec, Balbi, sévère recommandation. Bokende, bopé ça, offrande, Nabino, Naba sacrificateur. Sauf que dans le siècle, Nabiso, les autres, on a un prédicateur, il y a tant ou à l'autre. Bah, tu vas payer ce offrande de terre. Ne donnez pas des offrandes. Ne donnez pas les dîmes.
Tout ça, ne donnez pas. Regardez Jésus, son ministère. Si lui, Yenaye, Kozongi sa nouvelle alliance, c'est lui qui est nouvelle alliance, c'est Jésus. Mais il a dit aux gens d'aller donner les offrandes. Donner les offrandes. Il a envoyé ces gens d'aller donner les offrandes. D'aller donner. Mais le loup, ma prédicateur, ne donnez pas des offrandes, ne soutenez pas, donnez seulement des orphelins et tout ça. Ici, il a dit d'aller, de faire ce que Moïse avait dit. La reconnaissance, ça dit, la personne, il avait reçu sa délivrance, mais Jésus voulait aussi, à côté de sa victoire, bateau, oh, oh, la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Mais il fallait qu'un bon, ça va, zo offrande na yo, pesata moi offrande mo kon anzelate. Allez au sacrificateur, allez au sacrificateur, allez dans les temples au sacrificateur. Est-ce que tu vois dans la maturité? Est-ce que ma prédicateur y a lelo, y a siècle oyo, ba cause dans la maturité, le bon la Jésus a zala ki nango. Ce que Jésus a dit, pesa offrande na yo pa nanga. Nga moko Jésus na li yango. Peut-être il a dit prenez ton offrande, allez donner au sacrificateur, allez donner que le copesa bangananza, que le copesa makambo Moïse alo. Ce qui est Yesu pourrait qu'on il est en haut, Yesu pourrait qu'on il est Babylon quoi, y a ancien testament. Mais Jésus voulait pas, mais ce qui Yesu a sala qui en haut, a son sala pour na biso tout l'andaye. Jésus a dit que quand le Seigneur a sali quelque chose, tu as vu. Makambo est d'accord au canon, mais fouam, nzamba pas molu. Nzamba, makambo bande kole la nzambe tala. Le Seigneur veut que tu donnes ton offrande. Donnez l'offrande. Jésus a dit. Ce qui est sur la joie qui a beaucoup, tout ça se comprend. Alors, pas que l'on paie ça. N'a pas sacrificateur. Et moi, Jésus aussi, dans la comme la maturité, le rôle à Yesu. Maturité au Yesu, à qui n'a pas. Si le Seigneur a salé l'eau, là où Oyebi Mosan Nzambe quelque part, Oyebi Église Moro quelque part, Oyebi un homme de Dieu quelque part, prends ton offrande, va aller donner l'offrande à Dieu, donner l'offrande. Si on a lui peut-être au Pessanga, peut-être Jésus a voyé qui cause en voyé Moro, mais il a recommandé aux gens d'aller donner. Quand le Seigneur a sali quelque chose, Nabi Nayo. Donner. A-t-il dit, maman, on va faire l'été? Bon, qu'elle est européenne, ça va faire l'été? Bon, on va faire l'été, oui, photo sur la va faire l'été, la va faire. Mais ici, a-t-il dit, maman, on va sacrificateur? A-t-il dit, maman, on va sacrificateur? 12, c'est très important, tout le monde dit, ah ouais. Moi, je pense, je vais m'arrêter ici, dans Souka, ah ouais. Pour normalement, on a une session à 16h30. Maman, paye pour sous ces salines, d'être le vie, ah, tout le monde parle. Yesu azalaki parmi ma caractéristique naye, ma comportement naye, ma caractère naye, azaki moto azaki koyo ki na bato mawa. Bisope to bi to bengami poto sala no lenge ya salaki. To bengami poto sala loko na ye asalaki. N'oublie pas, na pesa ki so passage moko ya 1 Jean chapitre 2 verset 6 balobi, moto azolo bazo ko demeurer et pas naye. Foi ça la lolenge ye azala loko la ye. Azalaki, fois ça atambola lo lenge Yesu atambola kidu to bengami to sala lo lenge Yesu asalaki suki Yesu azaki koyoke la batuma to ke la pe batuma to sana motema wana et ça malamu mingi. Moi je pense je vais m'arrêter ici makamweze belé mais pour tout ça na pesa son passage au bazoloba sur la miséricorde de to silisa wana. Tokeina Luc chapitre 6 verset 36. Luc chapitre 6 36. Bandeko vous en ligne beaucoup m'amène si vous êtes là beaucoup m'amène. Bandeko vous en ligne beaucoup m'amène. Que le Seigneur vous bénisse. Tolobi Luc 6 36 Balobi. Soyez donc miséricordieux. Soyez donc miséricordieux. Tolomi, Luc chapitre 6, 36, Malomi, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Boza la bato, bozo yo ke la bato mawa, lo lenge papa nabino, ayo ke la bato mawa. Hein? Soyez miséricordieux.
Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Nous lisions les versets 32. Ephésiens 4, 32. Et je vais terminer ici. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Parmi tous, Zala Malam ou les uns les autres. Zala Malam, n'en dévoise à Pembe. Zala Malam, soyez bons les uns les autres, envers les autres. Après, Balobi, compatissant, et lui, il va miséricordieux. N'oublie pas, je vous ai dit, miséricorde, non compatissant, et ça, c'est un mot synonyme, et ça, même signification, mais baso komango différemment. Et ça, la même signification, mais baso komango n'est pas le miséricorde na compatissant eza ndenge moko balobi awa. Soyez bons les uns les autres, compatissant, pardonnez balobi awa, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Moi je pense je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ça qu'on parlait, disciples écoute que écoute. Nous avons parlé via Yesu, puis nous avons bien amito copié Yesu. Ce qui nous a donné un débit, nous parlons qui vit des prières via Yesu. Le lengue Yesu, le lengue qui vit des prières, puis nous avons bien amito linga vit des prières. Le lengue Yesu, le lengue qui tata naie, puis nous avons bien amito linga papa. Le lengue Yesu, le lengue qui liloba, puis nous avons bien amito linga liloba. Le lengue Yesu. Alinga ki église naye, biso beto benga mito linga église, lolenge Yesu, alinga ki ba péché, nous ba biloko wana nyonso, tozo démontra mo na Bible, yango tozo loba, talimoud eza étude, o tozo ko étudier la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole du Seigneur habite en vous abondamment. Loba na nzambe fanda kati na bino, etonde na kati na bino, ba merci mo so ba bike la parole de Dieu. Habite en vous avec toute sa richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Et si vous allez prier, selon le logo Yoyoki, priez tout le monde et dit Alléluia.